Bonsoir. Oui, j'ai une coiffure dégueulasse, j'en suis au moment où les cheveux. C'est beau, n'est-ce pas? Hello, tu c'était le champ de cacamou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te poster un petit vlog de la Norvège. Pourquoi je te rejoins ici face cam? Tout simplement parce que premièrement, je voulais te prévenir de 2-3 trucs par rapport à cette vidéo, par rapport aux vidéos qui vont suivre. Donc, on commence et dans 8. Je me concentre pour pas perdre le fil de ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? J'ai perdu le fil. Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc quand j'étais en road trip en Australie, on avait pour habitude de s'arrêter régulièrement dans les fast-food histoire de charger notre dispositif, parce que dans les fast-food en Australie, il y a plein de petites prises géniales pour mettre ton ordinateur, ta caméra, tes deux téléphones, ton machin, ton truc, et puis tu te retrouves avec une installation horrible et tous les serveurs qui te regardent en mode « C'est quoi cet énorme crevard ?» Donc je me suis dit qu'on allait faire pareil en Norvège, sauf qu'il n'y a jamais de fast-food en Norvège et en plus ils n'ont pas de prise électrique. Donc sur 8 jours il n'y a pas une seule fois où j'ai pu charger que ce soit mon ordinateur ou ma caméra. Du coup j'ai vraiment dû filmer un minimum. Pareil pour les photos, il fallait vraiment que je réduise la consommation, tu vois. Donc dans ces vidéos ce qu'on va faire c'est l'ascension d'une montagne pour arriver jusqu'à Gjerabolten. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais si tu as des idées de comment se prononce ce mot qui s'appelle comme suit, K-J-E-R-G-A-L-D-B-O-L-T-E-N, eh bien n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te préviens, le son va être dégueulasse pendant la vidéo parce que quand j'étais à l'aéroport de Bruxelles, j'ai perdu le petit machin tout poilu qu'on met autour du micro qui est derrière moi, voilà. Bravo Florence, tu n'as pas mis de micro pour filmer cette vidéo. Incroyable, mais vrai, je suis vraiment une merde. Donc oui, j'avais pas mon matchmook, donc il y a des petits bruits de vent, des fois il y a des bruits de rivière, etc. C'est vraiment la catastrophe. Mais je vous jure que c'est écoutable et ça vaut quand même le coup parce que c'est la Norvège et la Norvège, malgré que ce soit pas super touristique, mon dieu que c'est putain de beau et vous devriez tous y aller au moins 10 fois dans votre vie. Sur ce, mon TV City, je te laisse à la vidéo et je reviens juste après. Hello mon TV City, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque nous allons, enfin nous avons, puisque de là... Je te parle, on est déjà au sommet. Gravir une incroyable montagne ici en Norvège pour arriver sur un caillou du nom de je ne sais quoi, un truc absolument imprononçable que je vais te montrer là. Un caillou qui se trouve en équilibre entre deux ravins à 900 mètres de haut. Voilà. Et il y a des gens qui font la file pour faire une photo debout sur ce rocher. Et du coup, bah, je te laisse au petit vlog. J'espère que tu vas aimer ça. Je te fais des gros bisous. A tout de suite. La suite va vous étonner. J'en ai tapé une full crise d'angoisse les gars, j'ai foutu tout mon bordel là, mais en fait on est là. Là en dessous c'est le vide et on doit passer par ce petit truc là, mais du coup c'est vraiment dans le vide pour aller poser sur une pierre qui est dans le vide. Super, j'ai le vertige et je suis vraiment pas bien, genre j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai pleuré et tout parce que en fait j'ai grimpé jusque là. Et puis une fois là j'ai baissé les yeux, j'ai vu le vide à côté de moi, j'ai juste paniqué de ouf et voilà, donc eux ils sont, enfin ils sont pas partis sans moi hein, mais ils sont en train de parler là-bas de l'autre côté. Mais moi je peux juste pas quoi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est horrible. Il y a des gens là qui sont arrêtés, qui nous ont regardé super longtemps parce que j'ai hurlé, ils voulaient voir si ça allait quoi. Donc en bref, c'est là que tu grimpes. Ça c'est le vide en dessous. Comment te dire que ça me met légèrement mal à l'aise. On n'a pas de crampons, on n'a pas rien pour s'accrocher les mains. Je suis pas bien et là il y a tout le monde qui a l'air super à l'aise. Regardez, ils ont vraiment l'air d'aller super bien, il y a que moi. Il y a que moi mais avec mon sac à dos, franchement je stresse donc. Je stresse. Du coup c'est la giga panique, voilà. Génial. Florence la nulle. Je vais vous tenir au courant de si j'ai réussi ou pas à passer le cap. Je suis pas à l'aise, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas à l'aise, je suis pas bien du tout. Allez. On verra. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé les amis. Mes petits miss piggy. J'ai réussi, on est passé par là. Littéralement par le trou du cul du monde. Satan lui-même a construit ses marches pour qu'un homme tel que Pierre les gravisse une par une jusqu'au chemin. Oui, là c'est une photo idéale. Fais ta plus belle pose Pierre. Ta plus belle pose. Qu'il est laid. Soul. Putain! Il y a plus de piquet! Pourquoi il y a un piquet que là maintenant? Au moment où j'en ai pas besoin! C'est une putain de blague, je passe par où? Par là? Ça a l'air mieux par là! Non! Allez! Non, ici c'est tout dangereux, regarde ça coule et tout, là c'est tout bien! Mais regarde, le sac est plus grand que moi! Mais toi même le sol! Bah, c'est ce que j'ai fait tantôt et j'ai pleuré! Extraordinaire! Où tu as de ma gueule?
Honnêtement. Hein. Attends à l'enfant. Hein. C'est magnifique. Mais là, tout de suite, j'aime pas trop ma vie. Je suis en dépression, ça fait des heures qu'on marche. Je sais pas combien de kilomètres on a fait. Et tout ça, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est encore des kilomètres qu'on doit faire. On doit faire tout le tour pour arriver au sommet là-bas au-dessus. Je sais pas quand on va arriver, mais en tout cas, je sais pas s'il y aura encore de la lumière. Ça fait déjà super noir. Je suis dans la grande espérance parce que sinon ça va être vraiment nul. Très nul. Vous croyez qu'on est un peu haut là? Ah, tout petit peu haut. Waouh! C'est exagéré, c'est juste magnifique. Waouh! On peut pas utiliser le drone. Ouais, c'est juste là, tu vas voir. Attends. C'est là, c'est ça. Ça y est, on a trouvé le gros caillou. La légende dit que ce gros caillou se trouve à 900 mètres de haut. Donc ici, il y a un bon chemin avec une rivière. Et ensuite, paf, ça tombe. Moi, je suis bon. Ouais, mais je veux pas ton maman. Non ? Ça va. Voilà. Tu ne veux pas quoi ? Il n'y a pas de faire. Ah, bah on aura vu ta tête à côté, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est courageux, t'as été un grand garçon. Parce que mec, franchement, c'est fou. Mais surtout qu'on n'est pas droite. Je vais pas en revenir. Il faut pas se dire, faut pas penser hein. Ça va? Non. J'ai essayé d'avoir la même vue que toi, mais en prenant pas trop de risques, donc derrière ce rocher. Oh putain! Non, 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 non! Oh my fucking god! C'est une blague! Oh non, moi je peux pas, je peux. Moi je le fais pas hein, c'est juste non. Bon, et eh ben j'ai pas réussi, et par contre Pierre l'a fait, et il l'a fait avec brio. Donc félicitations Pierre! On applaudit tous Pierre ensemble. Il y a que lui qui s'applaudit. On s'est pété la gueule quelques fois, regardez l'état de mes vêtements. Je suis absolument dégueulasse. Mais on est arrivé au sommet et c'est vraiment magnifique. On va vous mettre des images un peu plus belles de tout le vlog juste après. Franchement ça va être hyper cool. J'ai trop hâte que vous voyez ça, c'est beau, c'est hyper worth it. Mais faut vraiment pas être trop con, faut vraiment pas avoir trop confiance en soi parce que je pense qu'on peut vraiment se tuer ici, donc voilà. C'est un truc à faire, mais avec prudence quoi. Voilà, voilà, c'est maintenant la fin de ce vlog. Sur ce, mon TV City, je te laisse au petit best-of de la journée. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout j'espère que la suivante, parce qu'elle va être d'une beauté mes amis, d'une beauté que tu ne comprends pas et que tu ne comprendras jamais dans ta vie, genre vraiment le truc incroyable. J'espère que la vidéo suivante va te plaire et si tu veux pas la rater, je t'invite à activer la petite cloche sous la vidéo, enfin sous la vidéo, je sais pas si c'est là. Oh bref, active la petite cloche, toi-même tu sais comment ça fonctionne, tu regardes plein de youtubeurs qui le savent, moi je le sais pas, mais parce que moi je ne sais rien, je suis Jon Snow. Du coup sur ce, je te fais de gros bisous, je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut. Regardez les jolis cailloux. Belle fleur. On dirait qu'on a été campeurs toute notre vie. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Mec, vous êtes con. T'es un gentil. Non, reviens. Bernard. Allez, maintenant on lui jette des cailloux. Il est roux comme Pierre et lui il est blond comme moi. Ah, oh, ça c'est le mien alors, c'est mon petit bébé.